Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Le 3 avril 2022, le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, a assisté au congrès fondateur du parti Ushayriniats. Déclaration du gouvernement de la République d'Arménie occidentale. L'Azerbaïdjan détruit le patrimoine culturel arménien de Parouch et Karagelouch. Un graffiti représentant Leonid Asgardian avec les mots « L'Artsakh et l'Arménie et tout » a été profané à Yerevan. La cérémonie de commémoration du 107e anniversaire du génocide des Arméniens s'est tenue au Lille, près de Paris. Le fils de l'Arménie occidentale, l'écrivain Mekartich Markosyan, est décédé. Malchas Amoyan est devenu le champion d'Europe. Le 3 avril 2022, le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, a participé au congrès constitutif du parti Ushayriniats à Yerevan. Les orateurs du congrès ont présenté la vision du parti, les programmes des différentes sphères et les candidats à l'organe directeur du parti. L'élection de l'organe directeur a suivi. Tigran Arzakantian a été élu président du parti. Les membres de la direction nouvellement élue du parti ont également prononcé des discours. Le leader du parti, Tigran Arzakantian, a assuré qu'en tant que nouvelle force politique dans le champ politique de l'Arménie, ils travailleront avec leurs compatriotes dispersés dans le monde entier. Le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, était le seul invité à la conférence. En souhaitant la bienvenue aux personnes présentées, M. Abrahamian a parlé de l'Arménie occidentale, soulignant que l'écrasante majorité des personnes assises dans la salle étaient les enfants de l'Arménie occidentale, c'est-à-dire des citoyens potentiels de l'Arménie occidentale. Les personnes assises dans la salle ont réagi à cette annonce avec satisfaction. Armenak Abrahamian a raconté les guerres de l'Artsakh, en particulier la première guerre dans laquelle il était l'un des participants, au cours de laquelle la question de l'Arménie occidentale a été soulevé en libérant l'Artsakh. En fait, ils ont commencé la libération de l'Arménie occidentale, car l'Artsakh est une partie de l'Arménie occidentale responsable du destin de tous les territoires arméniens. Il a également parlé du travail effectué à l'ONU, qui est principalement axé sur les droits des Arméniens, en mettant l'accent sur le droit des personnes déplacées de l'Artsakh à rentrer chez elles après la guerre de 44 jours. Il a conclu en souhaitant la bienvenue aux participants à la conférence, en particulier à M. Arzakantian, et a exprimé l'espoir que, grâce à la coopération, ils seront en mesure de résoudre un certain nombre de problèmes auxquels le peuple arménien est confronté. Le gouvernement d'Arménie occidentale a le plaisir d'annoncer que le 31 mars 2022, une autre réunion avec l'Office d'Arménie occidentale a eu lieu à la mission permanente de la République d'Arménie occidentale à Yerevan. Nos compatriotes de Dersim et de Tigranaket ont été reçus. Au cours de la réunion, les citoyens de la République d'Arménie occidentale ont présenté le travail effectué depuis la réunion précédente de juillet 2021 à aujourd'hui. Lisez l'annonce complète sur notre site web. L'Azerbaïdjan détruit le patrimoine culturel arménien de Parouch et Karagelouch. C'est ce qu'indique une déclaration du ministère de l'Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de l'Artsakh. Le 24 mars 2022, à la suite d'une agression azerbaïdjanaise, le territoire autour du village de Parouch en République d'Artsakh et le mont Karagelouch ont été occupés par l'ennemi. Les forces armées azerbaïdjanaises ont procédé à la destruction du patrimoine historique et culturel arménien. Selon la liste nationale des monuments historiques, une vingtaine de monuments sont enregistrés dans ces territoires, dont deux églises, la célèbre forteresse de Shikakar Karagelouch, des monuments culturels, des Khachkar, des pierres tombales. Ayant fait la meilleure expérience de la politique anti-arménienne de l'Azerbaïdjan, nous affirmons avec confiance que le patrimoine historique et culturel de Parouch et Karagelouch est également menacé. Un graffiti représentant Leonid Asgardian sur le mur d'une maison située au 10 rue Toumanian a été profané. Le militant des droits de l'homme Roubaix Melikian en a parlé sur sa page Facebook. Certains scélérants ont profané le graffiti représentant Leonid Asgardian sur le mur. Comparez-la à la photo que je postais l'année dernière. Il s'agit d'un programme dont le but est de dévaloriser l'idée du héros, d'annuler nos justes revendications, de transformer les Arméniens en une foule insignifiante de personnes implorant la paix, a-t-il écrit. La déclaration de l'Arménie occidentale condamne cet acte odieux et exige que le graffiti soit restauré dès que possible et que l'auteur soit traduit en justice.
Une cérémonie de commémoration de 107e commémoration des victimes de jeunesse des Arméniennes a eu lieu au Lila, près de Paris. Le maire de Lille, Lionel Benarous, le deuxième secrétaire de l'ambassade d'Arménie en France, Tigran Bardassarian, le président de l'organisation franco-arménienne, Annie Assadourian, et le célèbre historien Claude Moutafian ont pris la parole. Des représentants du conseil général de la Seine-Saint-Denis et de la préfecture étaient présents. Les hymnes arméniens et français ont été chantés lors de l'événement. Une pierre à la mémoire des victimes du génocide a été prononcée par Manuel Hovhannissian, père de l'église arménienne d'Arnouville. Mkrtich Markosyan est né le 23 décembre 1938 à Tigranakert, district de Gavour en Arménie occidentale. Après avoir déménagé de Tigranakert à Constantinople, il a poursuivi ses études au lycée de Pestchian. Il est diplômé de la faculté de littérature de l'université de Constantinople, département de philosophie. Monsieur Markosyan, cofondateur de la maison d'édition Aras, a également travaillé comme chroniqueur pour le journal Agos. En plus de son poste de directeur de l'école arménienne de Surprage de Plevang, il a été professeur de philosophie, de langue et de littérature arménienne. Il est l'auteur d'un certain nombre de livres. En 1988, il a reçu le prix littéraire Elis Kavoukchian à Paris, qui était décerné aux écrivaines arméniennes. Monsieur Markosyan sera interné au cimetière arménien de Chichli, dans l'église patriarcale de Kumkapi, le 7 avril à 14h. Les autorités de l'Arménie occidentale expriment leurs condoléances à la famille et aux amis. Maha Samoyan a concouru pour la première fois dans la catégorie des 77 kg au championnat d'Europe de lutte au Box Sport Hall Gymnasium à Budapest. En finale, l'adversaire de lutteur arménien était le médaillé d'argent du championnat d'Europe 2021, le Turc Yunus Basar. Une lutte difficile et persistante s'est déroulée durant la dernière minute et demie. Gagnant sur le score de 4-3, Maha Samoyan est devenu le champion d'Europe. Le gouvernement d'Arménie occidentale félicite l'athlète arménienne et lui souhaite de nouvelles victoires. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada.